Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter une nouvelle méthode, ou bien une méthode qui va te permettre de générer 3 000 francs CFA en illimité avec un site internet qui va te payer de partout où tu sois en Afrique ou dans le monde. Et le plus intéressant, c'est que tu peux être payé directement sur ton compte Mobile Money depuis ton pays. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi. Active la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésite pas à liker cette vidéo et à la partager au maximum. Donne-moi également ton impression en commentaire de cette vidéo. Je t'ai laissé aussi le lien de mon canal Telegram et de mon groupe Telegram en description de cette vidéo. Alors, le site que je vais te présenter, c'est un site sur lequel tu vas juste présenter des petits trucs et tu vas pouvoir gagner de l'argent. Autrement dit, tu vas vendre simplement des compétences basiques, des compétences banales pour pouvoir gagner de l'argent. Tu n'as pas besoin d'être un expert du tout pas et c'est entièrement gratuit. Tu n'as pas besoin de payer de l'argent pour pouvoir gagner ici de l'argent sur ce site. Alors là, directement, nous allons passer sur mon écran pour que je te montre comment ça se passe. Top, c'est parti. Le site que je voulais te présenter ce matin, c'est toujours le site Azorator. J'en ai parlé déjà sur cette chaîne. Et aujourd'hui, je vais te montrer d'autres petits trucs que tu peux essayer de faire rapidement pour pouvoir générer de l'argent sur ce site. Déjà, nous allons parcourir un peu l'interface du site. Comme tu peux le voir ici, il y a beaucoup de sections où tu peux vraiment trouver plein, plein de microservices que tu vas en fait faire. Alors, le principe sur ce site, c'est quoi? C'est un site de freelance. Quand on parle de freelance, c'est un site où tu vas en fait tes compétences, c'est-à-dire ce que tu sais faire. Peu importe le domaine dans lequel tu te trouves, si tu es un frigorifier, si tu es une couturière, si tu es un coiffeur, si tu es un menuisier, si tu es un électricien, tout ce que tu sais faire, en fait, tu peux monétiser ces compétences-là sur ce site. Tu vois, par exemple, ici, il y a celui-là qui dit, je peux réaliser vos schémas électriques et dimensionner en fait, dimensionner peut-être vos compteurs, dimensionner vos appareils. Bref, lui, c'est ce qu'il vend sur la plateforme Azorator. Et ça, des gens vont être intéressés par ça. Donc, tu vois, des trucs banals que tu peux faire, peu importe le secteur, hein, je peux supprimer l'arrière-plan de votre photo. Ça, c'est encore très banal. Il suffit juste d'aller sur le site remove.bj et puis tu uploades la vidéo, l'image et tu l'exportes sans fond, sans arrière-fond directement. Et là, tu vas te faire de l'argent simplement en faisant ça. Il y a plein de petites tâches que tu peux faire ici, des retouches photos, tu vois. Tu peux retoucher des photos ici et rapidement gagner de l'argent. Tu peux en fait fournir des posts. Lui, il dit, je peux fournir 7 posts Facebook, Instagram modifiables. Donc là, lui, il vous fournit des posts que vous pouvez modifier. Tu peux créer des logos professionnels avec et pour votre entreprise. Voilà là. Moi, ici, ce que je vais te montrer dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux créer facilement des logos. D'accord? Que tu peux vendre sur ce site-là. Parce que là, c'est ici qu'il faut vendre des compétences. Et là, moi, je vais te montrer déjà rapidement comment tu peux réaliser des visuels gratuit, d'accord, avec un logiciel gratuit, ok. Et là, c'est très très facile à faire. Je vais directement te montrer quelques autres tâches que tu peux faire banalement, hein, d'accord. Il y a les tâches de traduction de texte. Là, tu n'as vraiment pas besoin de payer. Tu n'as pas besoin d'avoir un logiciel de traduction sophistiqué parce que il suffit simplement que tu viennes sur Internet, d'accord. Tu vois ici, je peux modifier votre document PDF et la sécuriser. Je peux réaliser vos traductions. Je peux poster sur vos sites, blogs. Bref, plein de trucs que tu peux faire. Toutes tes compétences, je dis, tu peux les vendre sur ce site internet-là. Et ce qui est intéressant, c'est que le minimum que tu peux gagner sur ce site avec tes services, c'est en fait 3 000 francs CFA. 3 000 francs CFA, tu peux faire vraiment des choses banales. Je peux transcrire tout votre fichier audio en vidéo. Voyez là, ça c'est vraiment très banal, vous pouvez le faire. Il y a des logiciels qui le font aujourd'hui sur Internet. Je peux convertir vos fichiers, documents PDF en Word et tout. PowerPoint en PDF, bref, vous pouvez faire plein de trucs. Et là, moi, je vous montre rapidement des trucs que vous pouvez faire. Alors, par exemple, pour la conversion de vos tests en, de vos tests en anglais, peut-être, si vous avez des tests en espagnol, vous pouvez les convertir facilement en anglais ou en français. Il suffit simplement d'aller sur Google, de taper DeepL Traduction, d'accord? DeepL Traduction. Vous voyez, là, c'est un logiciel en ligne qui est entièrement gratuit. Donc, vous cliquez sur le premier résultat de recherche et là, ça va vous afficher en fait deux onglets. Vous avez simplement à choisir ici, hein, d'accord? Vous collez votre test. Le test que votre client vous fournit, vous collez le test ici, d'accord? Vous copiez le test ici, ok? Et vous allez avoir ici la réponse en français. Si par exemple, le client vous fournit un test en anglais, d'accord? Là, je mets par exemple, je choisis anglais, d'accord? Et il veut que vous le traduisez pour lui en espagnol ou bien en allemand. Bon, vous choisissez allemand. OK? Et puis, vous allez prendre le test. Voilà, donc moi, je copie par exemple ce test-là et je viens ici, c'est un test en anglais. Donc, je le colle ici, d'accord? Là. Et automatiquement, ça va me générer le test en allemand.
Alors, si vous avez un peu de compétences en allemand, c'est-à-dire que si vous comprenez un peu l'allemand, vous pouvez revoir un peu la traduction que ça a fournie parce que des fois, ça traduit mot pour mot, des fois, ça traduit très bien. Donc, vous allez juste voir et faire une petite réorganisation. Maintenant, si vous voulez devenir un expert, un professionnel dans la traduction, vous pouvez peut-être acheter des logiciels de traduction payants, d'accord? Et là, vous allez pouvoir le faire de façon très, très professionnelle. Mais déjà, avec ceci, ça marche très bien. C'est un logiciel qui est vraiment super cool. Moi, je l'utilise beaucoup pour beaucoup de trucs et ça a toujours marché, même pour des rédactions de mémoire. Je pense que beaucoup de personnes utilisent DeepL et c'est très bien, très, très efficace. Là, déjà, c'est un moyen très simple que tu as déjà ton test ici. Donc, tu cliques là simplement, tu copies le test. Voilà. Et puis, tu vas venir simplement sur le site où tu as, où le client a demandé le service dans ton inbox. Et puis tu lui livres le service directement et il te payera automatiquement. Parce que dès que tu livres le service, tu cliques sur commande réglée, automatiquement il doit payer. Ou bien il paye même déjà avant que tu ne lui livres le service. Donc voilà, c'est très intéressant déjà sur le site. Et tu vois, c'est des trucs banals comme ça que tu peux faire. Tu peux aussi rapidement aller ici, par exemple, on te demande d'enlever le fond d'une image. D'accord? C'est très simple. Pour enlever le fond d'une image, tu vas sur Google toujours, tu tapes remove.bg. D'accord? Remove.bg, tu vois ça ici. Et c'est un site qui te permet d'enlever des fonds d'image, c'est-à-dire d'enlever les arrière-plans très, très facilement. Ce que les gens vont te demander de payer des sommes ahurissantes pour pouvoir faire ici, tu vas le faire en un clic. OK? Tu viens sur le site, ici, on te demande de télécharger l'image. On va directement dans ma galerie. Je vais chercher une image que je vais uploader directement sur le site. OK? Je prends par exemple une image de ce robot-là. OK? Et je vais simplement cliquer sur ouvrir. Et là, le robot va être importé ici avec son arrière-plan. Vous voyez, l'arrière-plan a été automatiquement enlevé. Le fond noir qui était là a été enlevé. Je clique sur télécharger. Donc, automatiquement, j'aurai en fait mon image sans arrière-plan. Donc, vous voyez, en 5 secondes, vous avez déjà enlevé l'arrière-plan d'une photo et vous pouvez simplement livrer vos clients. Ils peuvent vous envoyer 100 photos, 2000 photos. Vous pouvez le faire en quelques minutes et vous allez donc être payé rapidement sur le site. Donc voilà des petits trucs que vous pouvez faire. Maintenant, ici, ce qui m'intéresse, moi, c'est que je vais vous montrer comment vous allez réaliser un logo professionnel. Un logo professionnel que vous allez pouvoir vendre et gagner de l'argent. Parce que sur le site, en fait, il faut que vous puissiez vendre vos compétences. Donc, le logiciel que moi, j'utilise, c'est un logiciel en ligne qu'on appelle Canva, qui est un logiciel gratuit. Donc, vous allez sur Canva, vous cliquez sur Canva. Et déjà, pour ceux qui veulent donc s'inscrire sur Azure, attends, je leur ai mis le lien d'inscription en description de la vidéo. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus et vous inscrire. D'accord? Là, vous venez directement sur Canva. OK? Vous mettez logo. OK? Logo. Vous mettez logo, vous cliquez sur logo. Voilà. Donc, quand tu tapes logo, tu tombes directement sur cette page-là. Et ce qui est intéressant avec Canva, c'est que tu as la possibilité d'utiliser déjà des modèles qui ont été déjà préétablis, préélaborés. Donc déjà sur ce site, je vous demande vraiment d'être de rester jusqu'à la fin parce que dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment vous pouvez avoir le logiciel Canva Pro gratuitement. Parce que Canva a plusieurs versions. Il y a la version gratuite qui est limitée et la version professionnelle qui est illimitée. Vous avez toutes les options. Moi, j'utilise la version professionnelle comme vous pouvez le voir ici. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez avoir accès à cette version-là qui vous facilite la vie. Donc, avec ça, vous pouvez vraiment tout faire et je vais vous l'offrir gratuitement sur cette chaîne. Donc, abonnez-vous, restez jusqu'à la fin. Suivez mes vidéos, partagez, likez et vraiment encouragez-moi à continuer et sur cette chaîne. Donc, voyez ici, vous avez déjà des templates de logos préélaborés. Donc, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez partir d'un modèle déjà initial, c'est-à-dire d'une page vierge, vous pouvez partir pour pouvoir avoir vous-même votre logo selon votre goût, selon la catégorie que vous voulez viser et que vous voulez viser. Donc, vous cliquez par exemple sur le logo vierge, OK? Et ça va vous envoyer directement sur la page de personnalisation de votre logo. Alors, une fois que vous êtes sur cette page, vous voyez donc, on va vous demander, vous allez commencer par, vous allez vous imaginer, je veux faire un logo pour quelle entreprise? Est-ce que c'est dans le domaine de la nourriture, c'est dans le domaine de l'alimentation, c'est la restauration, c'est l'hôpital, c'est le transport? En fonction de ce que vous voulez faire, donc, vous allez simplement cliquer ici, d'accord? Et vous allez chercher la catégorie. Cliquez ici, par exemple, sur éléments, d'accord? Et vous allez chercher les icônes, d'accord? Vous allez chercher les icônes qui vous intéressent. Mettez icônes. Voilà. Donc, vous allez chercher, si c'est par exemple dans le domaine, je sais pas, dans le domaine de l'art ou bien de quelque chose que vous voulez faire le logo, vous pouvez cliquer simplement sur un truc comme ça. Et puis, vous allez mettre votre image, vous allez personnaliser cela. D'accord? Donc, c'est à votre goût en fait. Vous avez la possibilité de faire tout ce que vous voulez. Et maintenant, vous allez voir que voilà, vous avez accès à votre base de données. Et ça devient vraiment très intéressant. Et
Vous pouvez donc, une fois que vous avez fini de faire votre logo, je prends par exemple ça, d'accord? Et puis, je suppose que je veux faire un truc pour une agence de voyage ou bien pour une agence de communication ou bien pour une agence de géolocalisation, par exemple. Je peux mettre par exemple ça, un globe terrestre, et je mets mon test en bas, et puis je vais mettre, je peux même changer la couleur du globe terrestre. Donc, vous avez la possibilité de faire rapidement ça sur votre logiciel gratuit, d'accord? Je peux changer la couleur, je peux mettre ça en bleu. Voilà. Et puis, j'ai ça. Je peux mettre par exemple un truc comme. Quoi d'autre encore? Voilà. Et puis, je mets mon test. Ajouter du test. Je viens là. Donc, je clique sur Ajouter du test. J'amène ça ici. Je mets par exemple le slogan de l'agence. Partout. Voilà. Donc, je suppose que c'est le test de mon agence. Donc, partout avec vous. Vous paramétrez, vous mettez peut-être une autre couleur. Mettez peut-être la couleur que vous voulez. Vous pouvez réduire aussi la couleur, la taille. D'accord. Voilà. Laissez votre truc là, tranquille. Et en haut, vous mettez le nom de l'agence de votre qui demande le logo. OK? Donc, vous faites ajouter test. Vous mettez par exemple Topo Inter. Je suppose que c'est le nom de l'agence qui a demandé en fait le logo. Alors, soyez vraiment imaginatif, créatif. Donc, moi, je le fais juste rapidement pour vous montrer comment vous pouvez faire un logo facilement sans vraiment vous casser la tête, hein. C'est un logo très facile. D'accord, je suppose que je laisse ça en noir comme ça, ou bien en rouge aussi. Voilà. Et c'est fini. Je suppose que c'est ça. Et je peux mettre un fond. Je peux laisser ça sur le fond blanc. Comme ça. Il faut que votre logo soit vraiment très simple. Si vous voulez, hein, moi je l'ai juste fait comme ça pour vous montrer. D'accord. Et puis vous allez cliquer simplement sur partager à la fin. Et on va vous demander de télécharger ici en bas. Donc, vous cliquez sur télécharger. OK. Et puis, vous téléchargez votre logo. C'est tout. Donc, votre logo va être exporté. Et c'est ce logo-là que vous allez envoyer à votre client qui a demandé en fait un logo pour son agence. Alors, maintenant, comment vous allez mettre le service en vente sur la plateforme? C'est vraiment très simple. Une fois que vous êtes sur la plateforme, maintenant, vous allez venir simplement ici. D'accord? Maintenant que tu es sur la plateforme pour pouvoir mettre ton service que tu as créé en ligne, tu viens simplement sur micro taf ici, d'accord? Tu viens sur le site, tu vas sur le menu de ton profil, tu cliques sur micro taf, d'accord? Et on va te demander en fait si tu veux mettre un micro taf en ligne. Micro taf, et tu vas voir ici qu'on va te demander si tu veux mettre un micro taf en ligne, d'accord? Micro taf, et là tu vas voir ici on a mis micro taf. Publier un micro taf. Donc, tu cliques sur publier un micro taf directement. Et là, on va t'afficher maintenant l'option de mise en ligne de ton service que tu as créé. Alors que tu veux créer. Donc, là, tu vas lire correctement ici les conditions. Donc, toutes les offres que tu vas mettre en ligne doivent être minimum à 3 000 francs. D'accord? Et puis, voilà les rubriques. Tu vas mettre ici le nom de ton micro taf. Donc, titre du micro taf. Le titre doit commencer par je peux. Donc, tu vas mettre, je peux créer un logo professionnel pour vous. Voilà. Là, c'est le titre que moi, je vais mettre, par exemple. Ensuite, tu vas choisir la catégorie de ton service. Tu mets ça dans design et graphisme. Voilà, je mets ça là. Et tu as décrit un peu le service que tu veux créer. Donc, voilà, tu mets le service. Tu mets la description pour ton service. Moi, je veux pas. Vraiment créer un truc, je vais juste te montrer comment on fait, d'accord? Et tu vas mettre ici ton mot-clé. Alors là, si tu ne sais pas comment on fait, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Je vais mettre la vidéo en description de la vidéo pour que tu puisses voir comment on crée vraiment le service jusqu'à la fin, ok? Et donc, dès que tu auras fini de créer ton service, tu le mets simplement en ligne, ok? Et tu vas voir donc que les gens vont et ça va apparaître sur la plateforme. Maintenant, comment envoyer du trafic pour que les gens puissent savoir que tu crées des offres? Parce que sur la plateforme, ils vont t'offrir de la visibilité, mais ce ne sera pas trop comme si tu avais tu avais drainé du trafic vers
et ta page. Tu peux récupérer simplement le lien de ton profil, d'accord? Et aller maintenant sur Facebook ou bien carrément parler des services que tu fais. Tu offres sur Facebook en allant simplement dans les groupes ciblés, d'accord? Tu vas par exemple dans les groupes sur Facebook et tu dis que voilà, tu présentes des services, tu proposes des services de graphisme sur ta page, par exemple, sur ton mur Facebook. Tu peux communiquer beaucoup sur ça et les gens sauront que tu offres, donc tu vends des services en matière de graphisme. Et là, les gens vont te contacter souvent pour commander ou bien tu viens carrément dans tes groupes, les groupes dans lesquels, les groupes que tu as rejoints. Il faut aller sur Facebook et entrer dans les groupes de la niche. Comment gagner de l'argent sur Internet et tu vas voir que dans ces groupes-là, les gens vont beaucoup, beaucoup s'intéresser à ce que tu proposes et ils vont en fait rejoindre ton offre et d'autres vont cliquer directement sur le lien pour aller acheter et pour aller commander le service parce que tu peux copier le lien de ton service dès que le service est créé, d'accord, sur Azorator et les gens vont directement aller acheter ce service-là et toi, tu as donc gagné de l'argent. Donc voilà un peu comment tu peux faire, tu rejoins plein de groupes sur Facebook. Les groupes de la niche, comment gagner de l'argent sur Internet, business en ligne, plein, 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 tu rentres. Les gens vont pouvoir s'intéresser. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent donc des logos, des visuels et tout. Donc ces personnes-là vont en fait commander ton service et toi, tu vas gagner de l'argent. Donc voilà comment tu peux faire facilement pour pouvoir gagner de l'argent. Et dans ma prochaine vidéo, je vais te montrer comment tu peux faire pour avoir le logiciel Canva Pro gratuit et l'utiliser depuis ta maison pour faire des visuels époustouflants sur le logiciel Canva. Et voilà donc ce que je voulais te montrer. Donc cette méthode va te permettre vraiment de gagner de l'argent. Tu peux aussi créer une chaîne YouTube où tu vas promouvoir ton offre. Tu peux faire un compte Instagram pour parler uniquement de graphisme, de visuel, de flyer, plein de choses que tu peux faire pour gagner vraiment de l'argent. Voilà, cher ami, si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à la liker. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Donne-moi également ton impression en commentaire de cette vidéo. On se dit à très bientôt. Ciao.